Gulli présente. Johan, oui, esprit de la j'ai boîte. Une petite surprise pour toi. C'est quoi? J'adore les surprises. Aïe, je veux pas te le dire, sinon c'est plus une surprise. Allez, quoi? C'est dans cette pièce, tu dois la trouver. Bon, alors tu me dis chaud ou froid? Vas-y. C'est par là. Ah non, tu es froid. Bon, alors là, ici. Je l'ai. Là. Ah, tu es très chaud, là. Vas-y, c'est chaud. Là. T'es brûlant. Yeah. Bah, y'a qu'un balai, là. C'est ça, bravo. Et maintenant, tu peux nettoyer ta linge. Oh non, esprit. Bon, bah d'accord. Hein. Allez. Hop là. Bon, alors, attends. Et comme à la maison, hein. Hop. Quoi, et... c'est comme ça que tu fais le ménage, toi? Bah ouais. Oh là là. C'est... Allez, générique. Bonjour, bonjour! Bienvenue sur le plateau d'In The Boîte, votre jeu préféré, oui, oui, oui. Le jeu où l'union fait la... Comment ça va, esprit de la boîte? Ça va très bien, ouais. Et la prochaine fois, on va chercher l'aspirateur. Non, c'était nul, ça. Ça, c'était nul. Bon, allez, avec qui joue-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on perd la famille Anzalone. Francesca, l'italienne, est venue avec sa fille Tessie, 10 ans, cavalière, et avec une copine, Victoire, 8 ans, danseuse. Tessie, Vicky, Francky, on est indestructible, on atteindra notre cible. En face, la famille Ponce en violet. Sabine, la sportive, accompagne ses deux fils. Romain, 8 ans, fan de ACDC. Et Erwan, 10 ans, footballeur. Ah ouais, voilà, bravo. Ah bah alors ça, c'est du cri de ralliement. Hein. Simple, efficace, droit au but, parfait. Bah écoutez, je vais faire la même chose avec la première manche. Allez, première manche, c'est parti, j'adore. Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Allez mesdames, c'est vous qui allez commencer, Sabine et Francesca. J'espère que vous savez dessiner. On va voir. Pas vraiment. Ah, pas vraiment, ouais. Si, vous savez dessiner. Bah, oui, vous avez... oui, mais vous avez des têtes de peintre, mesdames. Oui. Je sais pas si c'est un compliment, ça, j'ai un doute là. Si, c'est un compliment. Bon, et pour vous mettre dedans, pour vous motiver, oui. J'ai quand même Erwan qui va nous faire une démo devant vous. Viens me rejoindre, Erwan, de danse hip-hop. C'est pour vous, c'est cadeau. Montez le son à la maison, vas-y, attention. Top, c'est parti. Vas-y, ouais, regardez, attention, bien. Vas-y, enchaîne. Eh, ouais, enchaîne les pieds. Les pieds, vas-y, les pieds encore. Eh bah, bravo, Erwan. Super. Est-ce que vous avez vu comme ça détend? Et surtout ce geste technique de battement de pied de droite à gauche. C'est pas du hip-hop, c'est du hip-flop. Mais vas-y, mais c'est n'importe quoi. Bon, allez, Sabine et Francesca, venez vous mettre en place. Vous allez jouer au dessin aujourd'hui. Voici votre stylo. Merci. Voici votre stylo. Merci. Alors, c'est vous, Sabine, qui allez commencer. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, mesdames. Top, c'est parti. Allez, faut y aller. Non, bah non, pas vous, Francesca. Juste Sabine. Attention. Des épées. Non, bah non, regardez bien. C'est quoi ça? C'était des ciseaux. Allez, on enchaîne avec Francesca. Alors, on trouve ça sur les bureaux. C'est des feuilles. Oui, des alors. Des dossiers. Non, alors. Des cahiers. Bah, c'est presque. Des livres. Et non, c'était un bloc-notes. On enchaîne. On y va avec Sabine. Oh, ça se trouve dans la salle de bain, ça. Allez, on se dépêche, Sabine. Hein. 10 secondes, ça passe vite. Hein. Alors, ah ouais. Un sèche-cheveux. Oui, bonne réponse. Un biberon. Biberon, bonne réponse, Francesca. Bien joué. Très beau dessin. Alors, un miroir. Oui, bonne réponse. On ne mime pas. Des fleurs. Oui, alors, dans quoi? Un vase. Oui, vase, bonne réponse. Allez, Sabine. Vite, vite, vite. Allez, c'est dans le jardin, ça. Non. Qu'est-ce que c'est que ce... Un tracteur. On en parlera tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec vous, Francesca. Balle. Non.
Cerf-volant. Non. C'est quoi c'est... Bah, c'était une pelote de laine. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec Sabine. Certainement le dernier mot. On trouve ça dans la salle de bain. Un rouge à lèvres. Non. Un peigne. Bah alors, je vais vous dire un truc là. Viens à côté de moi, Sabine. Alors ça, heureusement qu'on s'en sert pas de rouge à lèvres, hein, puisque c'est un thermomètre. J'aimerais aussi revenir sur ça, là. Parce que ça, c'est une tondeuse. Non, mais attends, c'est une tondeuse des années, mais des années 1800, quoi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des moteurs. Et très beau graphique, j'adore le biberon. C'est vrai que ça ressemblait un peu à un cerf-volant ou une montgolfière. Ça, c'était une pelote de laine. On va quand même vous applaudir bien fort, ouais, parce que c'est joli. Esprit de la boîte. Les deux familles n'ont pas un très bon coup de crayon. 200 points partout seulement. Non mais mesdames, vous avez entendu ce qu'a dit Esprit de la boîte? Bah, il a dit que vous aviez pas un bon coup de crayon. Oh bah il est gonflé. Mais c'est gonflé. Oh mais ça va pas du tout ça. Nous on n'est pas d'accord avec Francesca. Vous êtes nul. Oh non mais c'est... Non mais c'est... Mais c'est pas possible. Vous avez jamais vu sa tête non, en plus. Non, mais, il ressemble à rien. Bon allez. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Vous allez retourner dans vos zones, on va régler ça et on enchaîne avec le quiz des familles. Ok. Mais quel malotru cet esprit de la boîte! Oh! Il est quand même gonflé cet esprit! Non mais alors! Mais quand même alors! Oh. Mais. Mais enfin! Bon, ça suffit les commères! Bon, très bien. À présent, trois questions, trois propositions de réponse, puis la question à la... 200 points à prendre par bonne réponse. La première concerne Tintin. Vous aimez bien Tintin, les... Anzalone? Moi, je connais un peu. Un petit peu. Et vous, non, c'est pas votre truc. Tessie? Un peu. Ouais, un peu. Et toi, Victoire? Non. Non, t'aimes pas Tintin, toi. Et les ponces, vous, Tintin? Ouais, moi, ça va. J'ai quelques histoires. Lesquelles? J'ai Objectif Lune, j'ai l'affaire Lotus. Tournesol, j'ai le Lotus Bleu, et je crois que j'en ai une autre, mais je m'en souviens plus. Bah c'est déjà pas mal, et toi Romain? Je lis les siennes des fois. Ah tu lui piques ses BD? Ah c'est toi? Oh non! Et vous Sabine? Moi j'aime bien Milou. Je préfère Milou en fait. Vous êtes du genre Milou? Voilà, j'aime bien les petits chiens. Ah vous êtes... Bah alors... Dans Tintin. Quel détail permet de distinguer les deux Dupont? La forme des moustaches, la couleur des yeux ou la taille des chaussettes? La moustache, on valide. La forme de la moustache, on valide. Alors, quelle serait la différence entre ces moustaches, entre Duponté et Dupondé? Le Duponté, il a la moustache arrondie et l'autre, il a la moustache avec un peu des sortes de pics en dessous. Plutôt pointu. Voilà. Bonne réponse. Ouais. Erwan, il commence fort. Erwan, grâce à Tintin, permet à l'équipe de marquer 200 points supplémentaires et de prendre l'avantage direct. Bam. Ben, il le savait, hein. Mais bon, et puis trop tard. Tessie le savait? Oui. Ah là là là, il faut aller plus vite sur le buzzer, voilà, les filles. Hein. Des tigresses. Sortez les guns, comme vous aviez fait dans le cri de ralliement, là. Excusez-moi. Lequel de ces animaux est entièrement blanc à la naissance? Le zèbre, le panda géant ou l'éléphant rose? Le panda géant, on valide. Alors ça, c'est pas écrit dans Tintin, ça? Non. Comment tu sais ça? J'ai lu ça dans un magazine. Parce que tu lis aussi les magazines? Mais oui. Et est-ce que tu lis les journaux un peu intellectuels? Non, pas encore. Pas encore, mais tu les reluques, t'es en train de les regarder, là. Bien joué, bonne réponse, oh là le panda là géant. Là là. À sa naissance, il ressemble à une petite crevette rose à poils blancs. Après, il mue. Le zèbre a déjà ses couleurs hein, dès la naissance. Et c'est donc 200 points supplémentaires pour les ponces. Encore 600 points pour vous. Bien joué. Bon, Léon Zalone. Les toilettes. Ça, les toilettes, c'est votre truc. J'ai une question sur les toilettes. Les WC. On va pas se laisser avoir par Erwan tout le long de la partie, quand même. Non, mais elle veut pas appuyer. Est-ce qu'elle me dit qu'il faut pas appuyer? Bah enfin, Victoire. Non, mais on appuie quand on sait pas. Ah non, c'est le contraire. On appuie quand on sait. Voilà, d'accord. Donc, je sais pas tout à fait ça. Hein. Victoire, il faut appuyer sur le buzzer pour aller droit à la victoire. Eh ben oui, hein.
Merci. 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 Là, c'est pas plié, donc. Sur les WC japonais, quel dispositif permet de se laver les fesses automatiquement? Attendez les trois propositions, Léon Zalo. Bah oui, mais à chaque fois. Une brosse pivotante, un petit jet d'eau tiède ou un siège éjectable? Ah, c'est encore les ponts, ça. Un petit jet d'eau tiède, on valide. Je suis pas sûre, mais. Si, 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 c'est ça? Ah, on valide. C'est fait, c'est fait. Le petit jet d'eau tiède. Moi, j'aurais dit la brosse tournante. À vous, la brosse. Moi, j'aurais dit. Bon, bah, c'est une bonne réponse pour le petit jet d'eau tiède. Un petit jet d'eau tiède, question hygiène, très sympa. Mais ce qui est important, c'est surtout la température de l'eau. Il faut que ce soit pile poil à la bonne température. Un petit 35, sinon ça brûle. En dessous, ça fait un peu froid. C'est une bonne réponse. Bravo, bien joué. 800 points à présent pour les ponces. Et sur certains modèles, on a même droit au séchage par ventilation. C'est quand même sympa, quoi. On va aller au Japon, alors. Je vais déménager au Japon. Ah ouais, là, hop, pop, la petite ventilation, là. Bon, allez, la question à la... Ah bah non, aujourd'hui, ce sera la question à la brosse. Une question, pas besoin de buzzer, vous aurez 10 secondes pour vous concerter et je vous demanderai ensuite vos propositions. Quelle est la hauteur actuelle de la grande pyramide d'Égypte? La famille qui aura donné la proposition la plus proche de la réponse exacte marquera 200 points. Si vous faites un tout pile, vous marquerez 500 points. Alors, les ponces. On va dire 80 mètres. La hauteur actuelle de la grande pyramide d'Égypte, 80 mètres. Et pour vous, les Anzalones? 200 pour les Anzalones. Alors, à l'origine, elle mesurait 146 mètres. Après, il y a eu l'érosion, il y a eu le temps qui passe. C'est un petit peu tassé. 50 mètres. Beaucoup. Et elle fait aujourd'hui 137 mètres, cette grande pyramide. Du coup, alors là, c'est sortez les calculettes. Du coup, les plus proches, à pas grand-chose, hein, ce sont les ponces. Et 200 points encore pour les ponces. Les ponces ont passé la deuxième avec 1000 points contre 200 points pour les Anzalones. Bon, les Anzalones, les filles, vous inquiétez pas. Là, ils ont fait fort, les violets, mais ne vous inquiétez pas, tout peut basculer dans In The Boîte. Le challenge des enfants, vous êtes prêtes? Oui! Vous voulez revenir dans la partie? Oui! Alors, c'est parti. Alors, regardez, nous avons transformé les mamans en entonnoirs de l'espace, ouais! Ah, vous êtes magnifiques, mesdames, hein. Et ça vous va très bien. Ah oui, très bien, très bien. Et à votre santé, hein. Bim, allez, voit très bien. Si vous êtes en entonnoir, c'est que vous allez jouer au sauf qui pleut. Dans ce challenge, trois postes, les entonnoirs, donc ici, mais aussi un pompeur et un viseur là-haut. Votre objectif est de mettre le plus d'eau possible dans les entonnoirs. Attention, 1 minute 30, 3, 2, 1... Top chrono. Allez, il faut pomper là, il faut pomper. Y'a là, ça y est, c'est parti. Et il faut mettre le plus d'eau possible dans les entonnoirs. Et la difficulté, c'est que les mamans vont commencer à tourner. Car elles sont sur une tournette, bien entendu. Allez. Il faut rester droit, il faut rester droit. Maman, droite. Et oui, mettez-vous droit. Alors attention, ils sont en train d'arroser le plateau. Maman, reste debout. Les mamans, un conseil, redressez-vous. Redressez-vous. Maman, debout. Et oui, vaut mieux se mettre debout car l'eau va glisser tranquillement dans le sac. Alors que si elle se penche, l'eau va rebondir et sortir de l'entonnoir. Voilà, ça y est, les mamans debout, ont trouvé la technique. Se redressent un petit peu. Elles sont très belles, hein. C'est une bonne douche quand même, hein, qu'elles sont en train de prendre. Ouais. C'est magnifique. Une bonne douche sur le plateau d'In The Boîte. Faites du bruit pour les familles. Allez, on se décale, on se recale. Francesca a décidé de prendre une bonne douche plus
que les violets d'ailleurs. Regardez, ça y va. 2, 1, et on arrête le pompage. Ça va? Elle était bonne? Alors, venez voir à la maison, venez voir à la maison, tournez-vous un petit peu, qu'on regarde un petit peu quelle a été. Ah, alors, bah dis donc, c'est une petite collecte, hein? Un trait, 100 points pour vous. Alors, pour les verts, venez voir. Oh, bah les verts, bien les verts, hein? Ah, bah beaucoup mieux. Un et deux traits, 200 points pour vous, supplémentaires. Esprit de la boîte. La prestation des deux équipes est bidon. 1100 points à 400 pour les ponces. En tous les cas, vous avez été super en entonnoir, mesdames. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous enlever ces entonnoirs, on va vous sécher, on va vous enlever les imperméables. Et vous, à la maison, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Regardez, c'est là-bas. Pour la suite des aventures d'In The Boîte. A tout de suite. C'est un petit peu la fête aujourd'hui sur le plateau d'In The Boîte avec les candidats qui arrêtent pas de sauter, alors du coup je saute avec eux. Aujourd'hui on a envie de sauter, bon, c'est comme ça, on saute. C'est un peu de la Zumba, c'est comme ça. Ok, pour l'instant ce sont les ponces qui sautent le mieux, 1100 points. Mais les Anzalones, 400 points c'est déjà ça. Oh, avec Francesca, elle a une patate Francesca aujourd'hui. Mais vraiment, c'est quelque chose de dingue. Tessie, Victoire, Erwan, Romain, le quiz des enfants. Une question, chacun votre tour, 200 points par bonne réponse. Et vous n'aurez que 3 secondes pour donner votre proposition. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Romain, c'est toi qui vas commencer. Un petit message à dire avant de commencer? Je ne sais pas. Eh bien, c'est bien, Romain. Il ne sait pas. Et alors? Est-ce que tu es prêt? Oui. Pour une place en finale? Top, en compétition d'escrime, on doit porter un masque ou une cape? Un masque. Un masque grillagé, bonne réponse. Victoire, à l'étranger, on représente souvent les Français avec un béret et un camembert ou une baguette de pain? Un camembert? Une baguette de pain. Erwan, le pont de Millau se traverse en voiture ou en train? Se traverse en train. Et non, en voiture, c'est un pont autoroutier. Tessie, dans Lucky Luke, l'aîné des frères Dalton, Avril ou Joe? Joe. Bonne réponse. Romain, certains poissons peuvent se noyer, vrai ou faux? Faux. C'est vrai, si on les empêche de nager. Victoire. Depuis 2014, les élèves de CM2 doivent passer un permis internet ou un permis téléphone? Internet. Pour apprendre les dangers d'internet, oui, bonne réponse. Erwan, celui de Justin Bieber est presque entièrement tatoué, le dos ou le bras gauche? Le bras gauche. Surtout l'avant-bras, bonne réponse Erwan. Tessie, la plante sacrée que les druides cueillaient dans les arbres, le muguet ou le gui? Le gui. Bonne réponse. Romain, dans une chanson, elle veut son ami Pierre et pas le fils d'un baron. Jeannette ou Colombine? Jeannette. Dans Ne pleure pas Jeannette, bonne réponse. Victoire. En battant Mounir, en finale, le sud-coréen Hong Ten est devenu le meilleur pâtissier ou champion de breakdance? Le meilleur pâtissier. Champion de breakdance. Erwan, aux échecs, la pièce qui se déplace en diagonale, c'est le fou ou la tour? Le fou. On sent l'expert. Bonne réponse. Tessie, dans le clip Underwater, on voit Mika dans le bleu du ciel ou le bleu de la mer? Le bleu de la mer. Bonne réponse. Romain, tous les hommes sont coiffés d'un chignon au sumo ou au patinage artistique? Au sumo. Oui, bonne réponse, c'est la coiffure traditionnelle. Victoire, les Césars du cinéma s'appellent comme ça en hommage à Jules César, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse, c'est le nom d'un sculpteur, Erwan. À Londres, la plupart des taxis sont rouges ou pas rouges? Pas rouges. Ils sont noirs, ce sont les bus qui sont rouges. Tessie, les perles naturelles sont faites de nacre ou de jade? De jade. Ah non, de nacre. Bravo, bravo. Léon Zalone. Léon Zalone, tel de vrai Amazon. Ah, ça rime, fallait que je la place à un moment. Vous êtes bien resté dans votre zone. Je suis poète. Et vous avez donné 5 bonnes réponses. 1400 points pour vous. Les ponces, 6 bonnes réponses. Youhou! C'est pas bien. Et donc, avec 2300 points, c'est vous qui irez en finale.
Erwan, Romain et Sabine, l'esprit de la boîte vous attend. Léon Zalone, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on a plein de cadeaux pour vous. Salut. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Marne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeux In the Boîte, offert par nos partenaires. Erwan et Romain, vous y êtes devant la boîte noire. Non mais c'est pas grave, Romain il est déjà en place, il est archi motivé, il se concentre. Quant à toi Erwan, un petit clash à l'esprit de la boîte. Écoute-moi bien esprit de la boîte, il est là. Ça fait 10 ans et demi que j'existe et on m'a jamais pourri la vie. C'est pas aujourd'hui que tu vas me la pourrir. Et si t'essaies de me faire peur, ça marchera pas. En tout cas, j'ai hâte de te voir dans les élastiques. J'adore les paupiettes. Wow. Je les passerai avec facilité. Mais bien sûr. Allez, 3 minutes, on est tous avec toi. N'oublie pas le buzzer, il est déjà prêt. Hein. Alors attention, 3, 2, 1, top chrono. C'est parti. À droite. À droite. À droite. À droite. Et tout droit. Tout droit. Allez, là, faut y aller vite. Tout droit. C'est bon, là, j'avance. À gauche, à gauche. À gauche. Tout droit. Tout droit, tout droit. Je vois rien, là, tout droit. Bah, y'a rien, tout droit. Peut-être, là, il a trouvé le passage. Ok, élastique direct. Allez, on y va. C'est bon, c'est à gauche ou à droite, maintenant. À gauche. À gauche. À gauche. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Allez, allez, Erwan, on peut le faire. Il faut qu'il reste bien en bas. Bien à plat, bien à plat. Aplatis-toi. Voilà, comme les militaires quand ils font le parcours du combattant. Erwan, je suis coincé, là, j'ai le coup dans les élastiques. Baisse ta tête, baisse ta tête. Les élastiques qui me... Mets-toi à plat, dépêche-toi. Ouais, ça doit passer, il faut qu'il aille par en dessous, il va y arriver. Ça y est, il a réussi, il est très fort. Vas-y, à plat. Il est très fort, cet Erwan. Il tire carrément toute la boîte avec lui. Attendez, il y a tout un casier qui le suit. C'est l'aventure dans cette boîte noire. Il y a un casier qui le suit, là. Il y a un casier qui le suit. Effectivement, il faut que tu t'arraches de là. Voilà, bien joué. À droite, j'arrache. Allez, ouais. À gauche. À gauche, là, faut que je passe par-dessus. Oui, tout à fait. Vas-y, c'est par-dessus. Tout droit. Allez. À droite. Ça y est, ok, c'est bon, je suis sorti. Allez. Tout droit. Oui, j'ai rien là. Il peut monter, il peut monter. Tout droit. Yes. On va. C'est en dessous. Non. Monte. Je monte. À droite. Oui. Allez, dans les crottes de nez de l'esprit de la boîte, on y va. Vas-y. Ah bah non, c'est pas là. C'est sorti, c'est bon. Monte. Ouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand frère? À droite. Descends, avance. Ah, il avance, ça c'est sûr, avance. Avance. Il y a un passage sur sa gauche. Avance. À gauche, Erwan. Avance. Passage à gauche. Allez, dépêche-toi. Ça se passe plutôt pas mal. Tout droit. Vas-y, dépêche. Tout droit. Allez, encore plus vite, faut y aller là. Et monte. À gauche. Allez. À gauche, y'a rien. Tout droit encore. C'est peut-être en bas. En bas, y'a rien. Là, regardez, juste là. De l'autre côté, tourne-toi. Au niveau des fesses. Tourne-toi. À droite. Encore, tourne-toi, Erwan, tourne-toi. À gauche. Retourne-toi, voilà. Voilà, c'est ça. Oh, vas-y. Dépêche-toi. Tout droit. Et top chrono. Elle est dure, cette boîte noire, quand même. On va vous applaudir bien fort. Hey Romain, check quand même, t'as été un bon guide. Et vous trouvez pas quand même que cet esprit de la boîte est quand même assez abominable, hein? Mais c'est pas possible. Non, les cadeaux, mais ça va pas du tout. Ça. Pour se retrouver en famille, un week-end dans l'une des destinations de notre partenaire. Et le voilà, super Erwan. Bon alors, c'était comment dans cette boîte? C'était difficile, mais ça allait. Bon, un petit mot à dire à l'esprit de la boîte, vas-y, un dernier clash. Bon, c'est pas grave, tu m'as battu, mais la prochaine fois, ce sera moi. Exactement. On mais perd je jamais te le moral. Battrai toujours. Mais non, mais... Allez, à très bientôt, les ponces. Merci beaucoup. Et si vous aussi voulez venir ici affronter la boîte noire, c'est très simple, allez sur internet. www.gulli.fr.
Et n'oubliez jamais, bisous. Ciao. La prochaine fois, on fête votre défaite, alors venez. Tes héros préférés te suivent partout.